Yo les gens, c'est Cimérian. Aujourd'hui, on se retrouve sur Marvel Spider-Man, encore une fois, avec Dark Sensei, aka le petit chaton. Ouais, de retour, hein, parce que là, c'est déjà la troisième fois, je crois. Oui, hein, les gens, parce que au cas où, hein, je crois que je vous l'avais pas encore dit, mais j'enchaîne hein, les vidéos généralement. C'est juste qu'après, je les upload pas tout en même temps. Ah là 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 là. Et l'assaut, c'est toujours comment il s'appelle là, le crapaud que tu dois attaquer? Ouais, voilà. Si tu es en distance, faudrait que je vienne. Les gens ils savent pas jouer de distance. Ah joli. Il y a 50% de chance. Ah ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près, au cas où. C'est le truc qui endort ça, non? Ouais, c'est parti. Mais où est le docteur Michaels? Ah, j'ai mal à la tête de ouf. Faites-y attention. Pas. Il y a des agents d'arc. Ah, comment ils se la pètent? Pas du tout. Non, mais en mode, ouais, nous sommes les meilleurs du monde. Ah ouais? Le Camus, c'est pour les attaquants, ça, je crois, non? Ouais, mais bon, quand tu vois comment l'astre divin, la naissance de l'astre divin est complètement pétée. Bah alors? Ils sont où les meilleurs du monde, là? Oh, l'eau, elle était mal faite là, non? Ou c'est moi? Ah, oh, magnifique. Yuri, je suis à la poursuite de Martelly. Je crois qu'il détient le docteur Michaels et le souffle du diable. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie. C'est bon signe. Sans doute pour forcer à fabriquer plus de souffle du diable. Ah, je dois arrêter ce camion. Ce tank, on va ce truc, quoi.
Allez. Je savais pas qu'on disait d'employer la force létale. Bah, je savais pas qu'on... Tu vois, parce que là, ils ont dit, ouais, c'est notre dernier avertissement, après, on ou alors on utilisera la force létale, ou je sais pas quoi, bon, j'ai pas trop... Fait attention à ce qu'ils ont dit exactement, mais... Je savais pas que ça se disait comme ça pour dire qu'en gros, s'ils continuent, bah, ils vont les tuer, quoi. La force létale. Je te lâcherai pas, toi. Il arrive. Il arrive. Et finira tous les blesseurs. En effet, il est arrivé. Wow. En tout cas, le jeu est joli, hein. Ok. Va-t-on devenir démoniaque? Je suis dans une phase de jeu à échelon. Il était là à cause de toi. Qu'est-ce que c'était pas par là? Ah. C'est Norman qui voulait se servir de lui. Un réflexe futile. Et où était Norman? Ah ouais? Sérieux? Alors ça sert vraiment plus à rien alors. Il savait ce qui allait se produire et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui ronge cette ville. Il faut la retirer avant que le mal ne se propage. Norman se cache derrière un masque de mensonge. Je le ferai voler en éclats pour le révéler au grand jour. Ouais. Ouais, ils sont nombreux, hein. Ils sont tombés comme des mouches. Tu n'as pas bougé. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qu'une vie? Une seule vie. En échange, il rend mon âme.
J'aime pas trop cette phase, on voit pas grand chose. C'était spécial cette phase. Attends, j'étais en train de me moucher. Ils ont je me mouche, le jeu il fait quoi? Il me met un QTE. M'en fous, je l'ai réussi quand même donc. MDR. Bah tu peux pas te taper s'il y a personne en face. Tout va bien? Ils l'ont pris. Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Plutôt oui. Vous êtes populaire, dis donc. Où est le sérum? Ils l'ont. Titiscoy. Bravo, mon super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. Ouais, ça c'est toi qui le dis. C'est votre faute. Ma faute? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux? Assez. Vous devez prévenir monsieur Osborn. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Yori, dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Berline noire? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. C'est extra, Yori. Tu es en route. Spider-Man. Allô? Est-ce que ça marche? Ouais. Comment vous pouvez m'appeler? J'ai emprunté une radio d'Hudson. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du gaz. Aéroport, terminaux de bus, car après, ça peut se propager comme un feu de bus. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville? On devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord? Norman prend très à cœur le souffle du gaz. Seul omnibus depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes. Si ça venait à s'apprendre, il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Effectivement. Mais les actes de ce fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul à pouvoir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Je me demande s'il va y avoir d'autres méchants à part les démons, parce que plus tard je me tape contre eux. Enfin, c'est vrai que j'ai tape Shocker, mais... Doc a laissé un message. Peter, je voulais te remercier. Ton travail sur l'interface neuronale a été inévitable. J'aimerais que tu puisses voir ces conséquences, mais je commence à réaliser à quel point les forces
précieux. Ah putain. Des forces puissantes et pernicieuses. Mais pas beaucoup. Faut que je passe voir le doc dès un moment. Ça vous amuse pas de vous faire frapper? Que ça vous serve de leçon. Ah, j'ai mal à la tête. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Enfin, encore des conneries, sûrement. La personne dit que les démons veulent quelque chose à grande santé. Pourquoi t'as rien à faire là? Non, c'est pas la peine. Ouais, c'est vrai que ça dure quoi, 7 minutes, c'est ça? Regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. Vous avez la possibilité d'agir. L'équipe de recherche et développement d'Oscorp travaille sans relâche sur un nouveau modèle de batterie capable de se recharger. La carte de munitions intelligente connectée Oscorp est équipée de capteurs. Ouais, ça dit genre. T'es trop puissant pour le jeu. Monsieur Lee. Ce sera plus facile. J'avais... C'était obligé. Elle peut pas rester tranquille de toute façon. Ah ouais, tu sais que j'ai dû repenser, mais tu sais, on m'a posé une question. Je crois que c'est la meilleure question qu'on m'ait jamais posée, Dark, franchement.
Ah ouais, ah, tu vas entendre la question, je crois que même toi, ton cerveau il va surchauffer en réfléchissant à la question. Hein. Bon, on va adapter la question parce que bon, c'était sur des persos bien précis. Comment? Alors t'imagines hein, qu'on est dans la même pièce, hein, tout ce que tu veux, t'imagines ce que tu veux. Comment Dark, Sensei et Cimmerian font pour communiquer alors qu'ils sont ensemble? Alors, je te laisse réfléchir à cette question, hein, bien entendu, cette question méga dure, hein, voilà. Je t'assure, cette question m'a vraiment été posée. Et, voilà, et c'est un peu... ah, c'est même pas un peu, c'est d'une tristesse abyssale. Non, je vais bien. Dépêche-toi. Je sais pas, quoi, à un moment... Ah ouais, hein. Regarde, même toi, t'as vu, là, ton cerveau, il a bugué, t'as fait, hein, mais comment ils font? Ah ouais, t'as vu ça? Hein? C'est pas un peu la meilleure question qu'on t'ait jamais posée? Ah, je crois que cette question, mais... Ah, elle est trop bien, cette question. Ah, mais cette question, elle est méga débile, quoi, surtout. MDR, ils sont combien? Ça se bat. Je les laisse pas me tuer sans rien faire. J'entends mon illusion. Non! On va tous se défendre. Ding! Pour le bagne! Oh là 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 là. Ah là là. Ouais, c'est bon, j'avance. Putain, y'a les gardes, ils entendent un... Tu sais, les gardes, ils entendent un bruit, ils sont obligés d'y aller à 10 pour vérifier ce que c'est. Hein. Ok. Voilà, je me suis pas fait repérer. Ah, j'ai déjà plus de mouchoir, quoi. Ah, déjà, je viens de tuer un paquet, là. Il a rendu l'âme. Hop, bon bah les gens, on va s'arrêter là. On reprend juste après.